Cette deuxième cassette a pour but de montrer au grand public quelle peut être l'évolution du chien après son dressage et s'il en a les aptitudes, comment réussir à le destiner aux épreuves de travail et comment le lui préparer pour que les conducteurs en herbe puissent faire une réelle idée de ce qu'est la compétition, comment elle se déroule et comment y préparer son chien. Les concours de travail ont été créés pour sélectionner les meilleurs géniteurs possibles destinés à faire des sujets qui vont reproduire des bons chiens de chasse. Ces concours de travail permettent de déceler les qualités naturelles de la race, le nez, le style, l'allure, la passion de la chasse, mais aussi, dans certaines catégories de concours, les aptitudes à recevoir un dressage suffisant, un dressage important qui fera que l'on pourra voir les sujets aptes à recevoir ce dressage qui est quand même assez poussé et qui est une chose importante quand on mettra ces chiens-là dans les mains de chasseurs. En ce qui concerne les concours, il existe plusieurs catégories de concours pour commencer dans l'année, disons, les concours de printemps qui se déroulent en bosse, plutôt en bosse ou en brie, dans les grandes plaines de Ablé, où l'on recherche plutôt les qualités du chien au niveau des qualités d'allure, d'entreprise, de nez et leur disposition à arrêter les perdreaux sauvages et naturels. Il existe aussi les concours d'été, ce qu'on peut appeler concours d'été quand il s'agit de vrais concours d'été, où l'on déterminera sensiblement les mêmes critères quand ils se déroulent sur des vrais perdreaux sauvages. Dans l'année, il existe aussi les concours d'automne. Ces concours d'automne se dérouleront en terrain plus ou moins varié de chasse, où l'on va rechercher les qualités de passion de la chasse, les qualités d'entreprise au niveau du chien de chasse sur le terrain de chasse, ainsi que son aptitude à recevoir un dressage plus poussé, car il concerne certaines difficultés à mettre le chien sage à l'arrêt, sage à l'envol, sage au coup de feu, à n'aller au rapport qu'à l'ordre du juge, ce qui est quand même une difficulté, parce que lorsqu'on a donné la passion du rapport à un chien d'arrêt, il faut aussi lui apprendre à rester sage à l'envol et au coup de feu, et ce qui est une difficulté supplémentaire qui permet de déterminer la grande aptitude à certains chiens de recevoir un dressage poussé. C'est d'ailleurs ce thème des concours d'automne que nous allons essayer d'approfondir, de donner l'explication la plus réelle sur la préparation de ces chiens à ces concours d'automne, ainsi que l'évolution de leur préparation à partir de leur début de leur préparation, c'est-à-dire la préparation physique et le suivi et l'entretien du dressage qu'ils ont déjà obtenu. Ensuite, la préparation à leur rappel de dressage dans certains domaines et ensuite leur préparation proprement dite dans les conditions de concours sur le terrain, sur du gibier et en présence du gibier lâché et tiré. Et ensuite avec l'action du rapport derrière. En ce qui concerne les jugements de concours de travail, il y a des éléments de base que nous devons retenir, qui sont basés sur trois critères principaux, à savoir allure, port de tête, galop. Il est évident que chaque race a ses spécificités, chaque race a sa manière de se comporter sur le terrain, au niveau des ports de tête, au niveau des allures et au niveau des galops. Ceci étant dit, quand nous avons les trois critères de base, à savoir allure, port de tête, galop, viennent s'y ajouter, bien sûr, la passion de la chasse, la manière dont le chien prospecte son terrain, l'étendue de la quête, la manière dont il est passionné au niveau de la recherche du gibier, et ensuite, bien sûr, la qualité de la négociation d'un point, à savoir l'arrêt sur le gibier, la manière dont il se comporte, la manière dont il le fait à distance. Quand le chien a un très grand nez, il négocie son point de beaucoup plus loin, et le style d'arrêt intervient, bien sûr, dans notre notification. Une fois que le chien est à l'arrêt, le conducteur s'approche de son chien, le fait couler, et bien sûr, dès que l'oiseau s'envole, le chien doit être parfaitement immobile, ne doit pas partir à l'envol, ni même au coup de feu. C'est nous, juges, qui donnons l'ordre du rapport, lequel rapport, ordre de rapport, est transmis par le conducteur à son chien, et seulement à ce moment, le chien va au rapport du gibier qui a été tué.
le rapport doit être vite chargé, vite rapporté et remis assis à la main. Alors tous ces critères font que nous notons les chiens de 11 à 14 pour ce qui est la notification très bon et de 15 à 20 pour ce qui est la notification des excellents. Avec une parenthèse en ce qui concerne les notes à partir de 17 à 20 qui sont les notes nécessaires pour l'obtention d'un CAC, ce qui veut dire le certificat d'aptitude au championnat. Stop. Vin est bien là. Sont rapprochés, ça fesse un peu. Allez. Allez, Fox. Allez. Pas bouger. Chut, ça. Chut. Chut. Non, non. Allez, va chercher. Va chercher. Allez, allez, allez. Oh. Assis. Assis. Pas. Pas. Donne, cachou, donne. Donne.
certaines races de chiens continentaux, certains clubs du moins veulent introduire le rapport à l'eau dans l'obtention du titre de champion de travail. En tout cas, nous, dans le cas précis, nous effectuons un entraînement de nos chiens qui vont disputer des épreuves internationales et qui vont du moins tenter de participer et de se faire sélectionner pour représenter leur pays, c'est-à-dire en majorité des cas la France, au championnat du monde. Nous préparons nos chiens au rapport à l'eau parce que pour être sélectionné, le chien doit d'abord être un bon chien, un excellent chien qui a fait ses preuves, mais dans les épreuves de sélection et de présélection, le rapport à l'eau est obligatoire. Il peut rapporter ou du moins enlever 4 points s'il n'est pas effectué au championnat du monde. Mis au rapport forcé, nous allons commencer à les acclimater, à aller dans l'eau progressivement, à petite distance. Nous procédons avec un apportable de bois de ce type, parce que nous pouvons travailler avec ça, car ils sont mis au rapport forcé. Allez, va chercher. Allez, Domi. Allez. Allez, Domi. Allez. Allez. Voilà. Allez, Domi, c'est bien. Domi, viens ici. Viens ici. Porte, porte, porte. Assis, porte. Assis. Chut, assis. Dors. Voilà. On va recommencer d'un peu plus et le jeter un peu plus loin. Chut. Allez, Domi, allez, va chercher. Allez, allez. Va chercher. Allez. Voilà, c'est bien. Allez! Et c'est pourtant un chien qui nage fort bien et qui n'a pas encore pris l'habitude, peut-être. Oh! Eh bien! Eh bien! Domi! Fort! Domi! Fort! Assis! 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 Fort! Et dors! Eh bien! Viens ici. Assis. Chut, assis. Chut. Donne. Chut, donne. Assis. Chut. Vas-y. Donne. Chut, donne. La journée d'un dresseur pendant l'entraînement commence entre 7h et 7h30. On sort les chiens pour leurs besoins naturels et après on va partir sur le terrain de chasse. On va aller à Bonnecoste pour les entraîner proprement dit. À cause des conditions climatiques, quelquefois le matin comme aujourd'hui, avec ce brouillard, c'est peut-être plus difficile parce que qui dit brouillard dit certainement absence de vent. Donc, des prises d'émanation plus difficiles. Bien, Émir. Allez, viens, mon petit Ravi. Bien. On se prépare comme pour le concours. On doit lâcher le chien. Le chien doit être sage et attendre l'ordre. Chut, non. Viens ici, Émir. Émir, viens ici. Viens là. Chut, sage. Et c'est le juge qui donne le départ. Chut. Bon, alors je vais le faire partir. Allez. Bon, alors, pour un Anglais, il faudrait qu'il s'étende beaucoup plus.
Là, il va pas assez loin, il tourne toi. Allez, allez, allez. Émir. Là, il est pas loin, hein. Ah, vous voyez, là, il foille parce que je l'interdis de bouger et il est moins tendu, vous voyez, là, voilà. Voilà une bonne position. La queue tendue, sans bouger. Et normalement, il doit être sage à l'envol et au coup de feu. C'est pas évident. Ça... Non. Bon, je lui ai interdit de prendre le gibier parce qu'il n'aurait pas dû partir. Je le ramène à la place initiale. Chut, pas bouger. Et puis je vais le renvoyer au rapport pour lui montrer qu'il aurait dû rester là et que je lui aurais envoyé après. Non, sage. Hein? Allez, va chercher. Oh, viens ici. Viens ici. Viens ici. Non, Émir. Émir. Viens là, assis. Assis. Chut. Donne. C'est bien. Le rapport, il est parfait. Alors, il aurait dû faire ça, mais à l'ordre. Ne pas partir au coup de feu, ni à la chute du gibier. Et rapporter à l'ordre. Voilà. Voilà le défaut. Viens là. Ça va? Diva, viens. Diva, viens. Viens ici. Viens ici. Quand tu vas relancer. Évitez-le. Bon, on va descendre sur l'eau. Y va, allez. Ici, dans des conditions très difficiles, elle nous prend une émanation comme elle le peut, mais au départ dans un style assez sétère. Bien sétère, elle s'affaisse de l'arrière. Et là, je vais tenter de la faire couler maintenant. Allez, Niva. Allez, Niva. Allez. Hop. Ah, il y a 1,50 m, alors... Allez. Allez, Niva. Allez. Sir. Non. Et là, c'est une chienne de pratiquement championne de travail de haut niveau qui n'a pratiquement jamais bougé dans sa vie sur le gibier. Mais là, le point de chute excessivement près l'a excité. Et puis, c'est une bonne chose pour les conditions d'entraînement. Ça permet de la reprendre sans excès. Alors, hein ? Et je ne suis pas du tout sévère avec elle parce que c'est une chienne qui ne bouge jamais. Et donc, je ne peux pas lui demander trop de... Je vais pas la gronder pour 1 mètre qu'elle a fait. Tu es vilaine, hein? Qu'est-ce que t'as fait alors, hein? Allez! Allez, va chercher! Allez! Voilà! Allez! Diva! Porte, viens ici. Assis. Porte, donne. Là, je l'ai préparé en solo.
Parce que cette année, pour être champion de travail, il lui manque encore une récompense en solo, qu'on espère elle fera, et après, il lui manque un CAC, et après, elle repassera en couple, où déjà, elle a déjà gagné 5 CAC l'année dernière. Derrière, il faut l'éviter le plus possible. Allez. 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 Il est sensible et il a quand même envie de partir. C'est assez difficile. Non. Seules les quantités de pièces tirées vont le faire évoluer. Chut, non. Allez, va chercher. Pas. 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 Allez, flash. Flash, fort. Flash, fort. Fort. Assis. Assis. Donne. Chut. Laisse ta déplume après. Voilà, t'es malin, t'es content, tu veux les manger. Voilà. Pas de difficulté avec un comportement comme ça. Il a une prise d'émanation qui, je crois, j'étais un peu mal placé derrière, un peu loin, mais qui en principe est excellente, une pose d'arrêt qui est belle. Je le voyais pas bien, je l'ai un peu poussé, et il a remonté un peu de près et il l'a arrêté en beau style. Sur le coulé, il a... Au moment où il voit le faisan, je veux le freiner parce que j'ai l'impression qu'il va s'exciter dessus. Je lui dis non. Là, il fait un demi-tour sur lui-même. C'est une sorte de blinkage. C'est lié à sa sensibilité. Il reprend bien la pose d'arrêt. Mais malgré cette sensibilité, au moment du coup de feu, il a quand même envie de partir. Bon, il a une grande passion pour le rapport, ce qui va aider à résoudre tous ses problèmes. Mais il a... un petit peu de sensibilité sur la prise d'arrêt. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Je sais pas, mais il faut arriver de toute façon à résoudre les problèmes de sagesse qui, quelquefois, entraînent des réactions de ce type. Il faut les éviter. Mais le goût du rapport qu'il a, très prononcé, va l'aider à outrepasser ce petit problème. Les problèmes des chiens à poils longs avec quel que soit. Il faut, après chaque sortie, il faut les passer à la brosse. Elvis, je reprendrai les oreilles après parce que j'y arrive pas. Hein. À la fin de la journée, on le nourrit. On utilise des aliments riches.
riche en protéines, environ 30%, en matière grasse, environ 20%, et on les complète avec une poudre un peu survitaminée. On est obligé de leur donner une alimentation riche en protéines, en matière grasse, parce que au niveau de l'effort, bon, on leur demande un effort intense sur une durée courte. Il faut quand même qu'ils aient une certaine forme. C'est Elfée de Focaric, une jeune setter qui appartient à monsieur Pasqualini. C'est une chienne qui a obtenu 2 CAC pour son premier palmarès de printemps, sa première saison. Elle a eu quelques résultats en gibier tiré qui n'étaient pas à la même hauteur. Et ensuite, elle a fait une portée, ça l'avait interrompue. Elle reprend les gibiers tirés cette année. Elfée. Hop. Chut. Non. Non. Elle a pris l'émanation, mais elle va le bloquer, elle le localise mal. Ça y est, là, elle l'a bloqué. Je recule un peu au cas où il y aurait une autre émanation, un autre gibier, puisqu'elle est montée à l'émanation sur l'action sur une 25 mètres. Elle peut avoir laissé, donc je recule et je vais relancer dans l'action, à l'endroit où elle a commencé à prendre son émanation. Voilà, je la remets en action pour terminer son temps. Allez! Elle a fini par un très beau point et au coulé, il en est parti un près et 5 ou 6 devant. 5 ou 6, il y en avait ? Oh oui, un a été tué. On va lui faire rapporter. Allez, va chercher. Prends, elle fait.
Prends, Elfrid. Porte, 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 doucement. Porte, et porte. Elle fait, elle. Assis, assis. Et donne. C'est bien, c'est bien. On va continuer à travailler. Allez. Prends le cachou. Porte assis. Porte. Porte. Non. Non. Chut. Là, on va essayer un parcours en couple. C'est le la catégorie terminale des concours sur gibier tiré. On démarre les chiens en concours en solo. Quand ils ont obtenu un palmarès minimum, on les passe en couple, parce que pour le nouveau championnat de chasse pratique, il faut aussi un CAC en couple. Et bon, en principe, dans les concours de couple, on y retrouve les chiens, pas forcément peut-être les meilleurs, mais disons ceux qui font partie du plus haut niveau, puisqu'ils ont déjà obtenu des récompenses majeures en solo. Allez, allez. Il part de jouer, il va faire partie de là. Mais... L'idéal au départ d'un concours en couple, c'est que les chiens se séparent dès le départ. Et là, le pointeur a eu envie de faire le même... Là, ils se séparent bien. Allez. Allez, Douchka. Douchka. Au passage, le pointer a eu une prise d'émanation dans grand style pointer. Puis, un mouvement du vent, la setter avait amorcé le patron. Le pointer s'est débandé, a repris l'arrêt à bon vent. Et la setter a terminé son patron. Bon, là, elle ne peut pas avoir l'émanation. Elle patronne souvent comme ça. Elle arrête, elle respecte le chien. Puis après, elle tourne sa tête un peu dans la direction où elle pense qu'il y aura quelque chose. Là, on voit bien le faisant étant... On l'a vu là, le pointer, la bombe, elle ne peut pas le sentir. Chut, non. Allez, va chercher. Chut, prends. Oh, allez. Chut, c'est bien. Vite, hello, hello. Viens là, viens, hello, viens. Assis. Donne. C'est bien. C'est bien. C'est gentil. Chut, non, pas touché. Bon, alors vous avez vu, le chien était sage à l'envol et au coup de feu. Il n'est parti qu'à l'ordre. Il a pris son faisan, il a bien chargé son faisan. Et puis il est revenu me le donner, assis à la main, à l'ordre aussi. C'est ce que doit faire normalement un chien qui est bien mis au rapport. Un gibier tiré, bien sûr. Assis, assis. Pour récompenser le travail de la correcte de la setter, je vais quand même
Faire rapporter gentiment pour lui montrer qu'elle a été bien sage, mais qu'elle a quand même droit. Eh bien, Douchka, y toucher. Non ? C'est bien. On va juste donner un coup de pistolet. T'as pas de chance, purée. Non. Bien. Allez, va chef. Pas toi. Prends, Douchka. Pour. Allez, Douchka. Pour. Assis, Douchka. Assis. Pour. C'est bien. Là. Bon, après cette action, en concours, le temps dure un quart d'heure, donc on les arrête rarement sur un point parce qu'ils peuvent penser qu'après le point, l'action est terminée. Donc là, on va leur faire quelques lacets supplémentaires, comme si on terminait le temps. C'est bon. Allez. Non, hello. Allez. Et alors, c'est fini, oui. Tu lâches tout. Venez là, venez. Allez, venez. Gypsy. Git. Eben. Elvis. Peur. Peur. Allez, en place. Hop. C'est bien. Allez, hop. Ici, assis, chut, filou, assis, port, dors, très bien, voilà, c'est bien, filou du bec étoile, un palmarès ce printemps, première saison d'entraînement sur gibier tiré, passion de la chasse, style de galop, très très correct. Remontée d'émanation correcte, il devrait s'affaisser un peu plus sur le moment de la conclusion, il le fait très bien sur les perdreaux sauvages,
Il a peut-être un peu moins de passion sur les faisans d'élevage encore. À lui en tuant, ça devrait venir. Il s'affaisse un peu moins. Petit problème, sage à l'envol. Encore au coup de feu, il a encore un léger mouvement. Il poursuit pas, mais il se contrôle pas tout à fait. Et quelquefois, un gibier tiré, ça peut faire un petit peu descendre le classement. Allez, allez, allez. Champion. Il a eu des droits. Une bonne prise d'arrêt, un port de tête bien haut. Le corps est habituellement, cette chienne est habituellement un peu plus haut. Elle a apparemment remonté l'émanation un petit peu. Ipsi. Dors.